Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass and Danger. On se retrouve avec notre petite équipe. On a fait un petit peu de gestion en off, hein. Notamment on a envoyé Akatsuquad, Gaiden et Damned picoler un petit peu à la taverne. On a Zmoisis qui nous rejoint et Malvin qui lui va carrément faire une sieste, hein, pour récupérer un maximum de stamina. On va faire une mission pas trop compliqué dans le Farmland, probablement celle-ci, pour former doucement Zmoisis. On sera 4 avec relativement peu de stamina, mais je compte sur le fait qu'on soit 4 pour que ça s'étale. Donc on va faire cette mission-là. J'ai aussi dépensé un petit peu de Weapon Power et de Books pour améliorer les résistances de l'armure de Gaelden, histoire qu'il puisse éventuellement tanker un petit peu plus. On est parti, on se lance dans l'aventure, on va prendre Damned comme tank, si on peut dire, et on est parti. Je pense qu'à 4 sur cette zone-là, il y a moyen, et derrière, si on s'en tire bien, on pourra peut-être aller s'occuper de la Witch. Ok, on a une légère pluie, très bien. Il y a visiblement là un fermier, qui est probablement en train de se faire attaquer par des bandits. On va passer par en haut du coup. Viens là toi. Alors c'est un peu dommage parce qu'ils ont pas trop de différence entre les deux. Une petite différence visuelle serait pas mal, je pense. Et on y va. Alors, j'ai l'impression qu'on a que du bandit de corps à corps. Ouais, on a que du bandit de corps à corps. Donc on va se précipiter pour y aller. Normalement lui va fuir pendant un tour, voilà. Ce qui va permettre aux autres de se rapprocher un peu. Et on va pouvoir leur faire pleuvoir la mort dessus. Invoquons un petit élémentaire juste là. Alors, c'est Gaelden qui joue. C'est presque dommage parce qu'ils sont pas suffisamment en tas. On va avancer et je pense qu'on va économiser sa stamina. On va voir comment ils se placent. On va essayer de leur balancer une grosse tempête de flammes si on peut. Alors, un chouïa trop loin. On va se permettre de descendre après tout. On n'a pas de tireur. Allez, c'est parti. On dépop un peu. Le fermier va revenir normalement combattre, ouais, voilà. Eux, ils vont avancer. On va poser là un petit élémentaire de flamme pour fixer celui-ci. Et là, du coup, on envoie des flammes. Donc on peut toucher notre élémentaire, hein. Enfin, en l'occurrence, ça tombe sur lui, mais ça lui fait pas de dégâts. C'est bon à savoir. Très très bon à savoir. On en a deux qu'on touchait, c'est pas si mal. C'est franchement pas si mal. Ok, nickel. On a peut-être un petit peu over-abuse en invoquant autant de trucs, mais bon. C'est pas grave. Il reste plus que celle-là. Toi, du coup, il y a peu de chances que tu puisses la toucher. Le fermier va y aller. Il nous laisse une place, c'est parfait. Ici on va descendre, lui mettre une petite flèche dans les fesses. Et hop là. De toute façon on gagne un peu de stamina, c'est cadeau. Là on est trop loin. Tant pis, on va se placer pour le prochain tour. Sur un coup critique, il tue le fermier. Gros blasage, je ne vous cacherai pas. Ah, athlétique, il n'a pas dépensé de points, ça c'est bon ça. Et voilà le premier kill de Zmoisis, nickel. Un petit peu de stamina, du pain, c'est cool. Tu nous donnes rien toi. Même pas un petit merci, quoi que ce soit. Bon. Et ben, tant pis. Si peu de reconnaissance. Je suis extrêmement déçu. Alors, ça n'a pas l'air ouf ni d'un côté ni de l'autre, on va aller en bas, dans la forêt.
En sachant que la forêt va pas mal nous handicaper pour les attaques à distance. Il y a un petit plot en haut là. On va remonter. Je préfère les hauteurs. Ok. Bon, là, on va pas faire de. On va pas dépenser grand chose, il est tout seul. En plus, c'est un wick. On va le défoncer. Ah, mince. Je suis planté, j'aurais dû le mettre là. Tant pis. Toi, ah, tu le vois pas non plus. Tant pis, de toute façon, il peut encore s'approcher, il ne fera rien. On va attendre qu'il s'approche tout simplement. Puis on va lui lâcher la colère des enfers dessus. Ouh, il a assez de mouvement. Oh non, il nous a mis un bleed. Ah, l'erreur critique quoi. Oh, la déconcentration du groupe direct quoi. Du coup, on va pas mettre un bandage tout de suite, ok, il nous en remet un. Voilà, on le fera à la fin du combat. Oh là là. Le drame quoi. Le truc où tu te dis c'est bon, il est tout seul, on va le laisser venir et là bim, il te cale un coup de l'enfer. Et après on le rate tout le temps en plus. Allez, il faut tuer maintenant monsieur. Voilà, merci. Ouais, on va cramer un bandage hein, pour enlever le saignement, parce que c'est quand même bien merdique le saignement. Petite maison qui veut juste qu'on la laisse tranquille. Allez, c'est tranquille. Hop. Il n'y a pas de sac. Ok, on avance. Oula. Range d'attaque moins 20 hit chance. Melee attaque moins 15 hit chance. Muddy terrain cause plus 1 d'action. Ah ouais, il y a du muddy terrain. Bon, déjà, on va aller chercher la fleur. Un petit pain pour 4, non on n'a pas besoin. Ah c'est la merde. Il y a un petit peu de défense en haut, on va essayer d'y aller. Ok, un Rogus. Lui je crois qu'il a une espèce de charge. On va essayer de prendre les hauteurs avec elle. Damned. Alors, ce que j'aimerais bien c'est que lui il puisse pas se mettre là, donc on va te mettre ici. Quitte à ce qu'il vienne là. On verra si on invoque un truc ou pas. Gelden, tu vas te mettre là. On va mettre. Ah, il peut pas y aller. Zomosis derrière. On va attendre qu'il s'approche de toute façon, il va falloir quand même un petit peu de temps. Il a 3 points d'action. On peut commencer à le taper. 28 PV quand même cette saloperie. Au moins on touche. Même si on est censé avoir moins de chances de toucher. Est-ce que tu viendrais pas devant? On va laisser venir 3 points. En plus il y a du muddy. Ici c'est pas muddy. Si c'est muddy, ouais, on est safe. Est-ce qu'il saute? Ok, il saute pas. Donc pour l'instant on va pas mettre de bouclier, on sait pas trop qui va attaquer. Alors on a pris la une attentive, il va falloir qu'on invoque un truc. On va invoquer lui. Devant, tant pis. Allez, on est parti, on l'allume. Ouh, le petit 7 qui fait toujours plaise. Allez, moi aussi, c'est à toi. Pas mal. C'est propre. Ah, c'est vrai, il a le stun. J'avais oublié. Il a pas le saut, il a le stun. Mais c'est le loup-garou qu'on le saut. On est stun. C'est pas grave. Pas la peine de le protéger, on s'en fout s'il meurt. On va juste se servir de lui pour tanker le temps qu'on allume. Déjà notre stamina qui descend hein. Je me demande
demande si genre le fire spray il serait éteint par bim. Ok, très bien. C'est un peu abusé le stun quand même, on perd deux tours hein. Ça fait quand même vachement mal. Ok. C'est géré. Et on trouve une grande potion. Ok, pourquoi pas. L'effet de pluie est franchement bien fait. Ce qui fait continuer de pleuvoir à verse, oui. Continue de pleuvoir à verse, on a une petite plante ici, un petit peu de forêt vite teuf. On va se mettre en bas. Mis en haut là en vrai. Est-ce qu'on se tente de passer en haut? Ouais, on tente de passer en haut. Ok, c'est un camp. Alors, on va leur filer un petit peu de bouffe pour gagner notre des bonus de réputation. Ça coûte pas cher. On a pu, cela dit. On a perdu quelqu'un là. Ah oui, Katsukouet qui est coincé. Regroupez-vous les gars. On va se regrouper en haut. Voilà. Peu de chance qu'il y ait de nouvelles attaques, mais bon. Ah, on est sur une médium maintenant. Moins 15 et moins 10 seulement. On prend le sac. On a trouvé de l'or, très bien. Et on va certainement se mettre en haut. Ah, toi, tu vas là. Toi tu vas ici, et toi tu vas ici. Il est en petit, hein, on est d'accord, il n'y a pas d'autre derrière caché, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Du vin, non. Ça, non, ici on pourrait prier, mais on est quasiment à la fin de la mission, ça me paraît pas rentable. Ça sent l'embuscade, ouais. Ah putain, la vache. Ok, une droite. L'avantage c'est qu'au moins les archers sont tout près de nous. Gaelden qui prend sa petite fessée. Ok, lui il recule. Bien joué, il est monté hein. Alors, Akatsukouet. On va essayer de se faire celui-là. Assez rapidement. Ça c'est Gaelden. Gaelden, c'est toi. Hop, tu vas nous prendre ça. Flamme, 4 de dégâts quand même avec les flammes améliorées, hein. Ça vaut le coup. Il nous reste 15. Est-ce qu'on est capable de gérer ça sans... Ouais, on est capable de gérer ça sans élémentaire pour l'instant, je pense. Ah, un petit 3, c'est cool. Toi, t'as beaucoup de stamina par contre, donc tu vas prendre ton petit bonus. Tu vas aussi faire un petit fire spray ici pour le finir. Ouh, bah, le coup critique. Je pense pas que ce sera à ce point là. Ok, il esquive, lui il est mort au prochain tour. Lui, est-ce qu'il se replie sur les flammes? Non. Un petit miss, c'est parfait. Là, on va soigner. Parce que s'il reprend des dégâts, il va descendre en dessous de la moitié, il va perdre du moral. Et là, du coup, donc lui il est mort. On va se faire celui-là. Ouh, ça pique. Ok, il devrait être fou, il va s'enfuir. On va essayer de le finir quand même avant qu'il aille trop loin. Parfait. Allez, moi 6. Ouh, le 9. Ouh, ça fait mal. Il va mourir. Un miss. Bon, ça va pour l'instant. Franchement, on s'en tire bien. La petite aura de flamme hein, qui fait quand même bien le café. Hein. Ok, c'est cool. Plein d'or, enfin plein d'or. 50 hein, mais un peu d'or on va dire. On n'a pas de sac planqué. Ok, on arrive dans la dernière zone. Et ok, on a une pluie légère. Et c'est un peu la dèche. Ça a l'air d'être un petit peu mis en bas. On va donc se placer en bas. Ouais, c'est mieux en bas.
Ok, on a juste le truc à récupérer, rien d'autre. Non. Alors c'est parti. C'est beau 6. Hop, tu ramasses. Bon, une petite quête pas trop compliquée. En même temps la récompense, voilà quoi. La stamina qui reste quand même pas facile. Hein. Franchement pas facile, on a 800 balles, personne à récupérer. Malvin, il a fait le taf. Bon, on va envoyer Gaelden picoler un coup. Damned également, Osmo 6 ça va. Hop, encore un coup de picole, encore un coup de picole. On va faire picoler la quête secouette deux fois. Histoire d'avoir au moins à peu près 50 de stamina. Donc il y a des points d'XP qui restent, je les garde parce que leur prochain niveau en fait demande 2 points. Pour avoir des trucs que je veux monter. Est-ce que éventuellement ça pourrait avoir le coup de faire un blessing? On a récupéré quelques fleurs comme ça, donc on pourrait avoir de la magic power. Petite bénédiction de magic power. Comme ça, il nous faut. Petite bénédiction de magic power sur Gaelden, je pense que ça pourrait être carrément pas mal. Déloyal. Non, ça va. Oui, hop. Deux jours, c'est pas mal. Allez, on prend. Petite bénédiction là. Et on va y aller, je pense, à 5 du coup. Ah, ça a tout rechargé ça, tiens. Mais on peut tenter, je pense, la Witch Sighting. On va voir. Peut-être qu'on va se faire défoncer. Mais après tout, on est là pour découvrir. Hein. C'est comme dans Narcus Donjon. Quand on connaît pas, on teste. Et après, on voit. Allez hop. Toc, 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 toc. On y va à 5. On n'a pas peur. Après tout, on se doute que c'est quand même pas la vraie sorcière qui est là. On va se mettre en bas. Hop, donc on a nos deux mages de qualité devant. On a le soin derrière. Toi, tu vas te mettre un peu là parce qu'il faut quand même que tu sois assez proche pour taper. Ouf, il est monde là. Est-ce que vous êtes perdu ou quoi? Il n'y a rien à voir ici. Bougez-vous et disparaissez de notre vue. On combat. Visiblement ils ont attaqué une caravane. Et nous on n'aime pas les gens qui attaquent les caravanes. Par contre on n'a pas un placement de fou, on va pas se mentir. Je vais reculer peut-être pour les forcer un peu à avancer. On va juste avancer d'une case. C'est notamment lui, si on pouvait le forcer à descendre là, ça serait cool. Pareil là on attend. Elle encourage les gens, c'est toujours ça de prix. Non merde, putain, il nous voit. Il nous voit, il est sur un higher ground en plus. On va s'occuper des autres. C'est parti. Gaelden, ça c'est 2 points la Fire Aura, et là ils sont trop loin. Donc il va falloir avancer. Tant pis, pour l'instant, on va y aller. À la boule de feu, c'est raté. Et lui il est encore plus loin. On va avancer, tant pis. Putain, il peut monter du coup. Ouais, ça va être mauvais ça. Ça va être très très mauvais ça. Pareil, on va essayer de se déplacer nous aussi vers cette hauteur. On va perdre quelques tours malheureusement, mais. Ouh, ça pique. Très bien. Je vois le genre. Alors, c'est parti. On va assurer les touches du coup avec un petit fire spray ici. 8 de dégâts, ça devrait la calmer. Ici, pareil, on active ça. On peut faire une petite. Avec un peu de bol, ça va bien tomber. Ok, un 12 au moins, je trouve ça de prix. Ça aurait été mieux bien sûr si les deux avaient touché, mais bon, pas tout à voir. Ici, on va invoquer
un truc dans ses pattes, en plus un petit level, c'est nickel. Donc lui il est mort. On va avancer. On les voit pas, c'est chiant, il y a l'arme qui nous gêne. On va attaquer celui-là, parce que lui, il devrait se faire gérer par le l'élémentaire, on peut espérer. Là il nous faut un heal. Parfait, taper lui dessus ça me va tout à fait. Allez, tu peux finir le bandit archer là. Voilà, nickel. Donc elle est morte. Là, on a toujours notre aura. On peut mettre une boule de feu un peu de qualité. Et on rate, dommage. My firepower is far beyond yours. Bim! Dans ta tronche. On est à portée, on est à portée. Ah, dommage. Oh merde, putain. Excusez-moi, je pensais que c'était à Katsuko Edge, j'ai oublié qu'on était 5. Katsuko Edge t'avance. Et pour l'instant, ouais, tu peux tenter un petit soin quand même. Ça fait quand même 2 de stamina, c'est toujours ça de prix. Ok, continue de tirer sur lui, pas de soucis, il va descendre s'en occuper. Et là, c'est parti, on balance tout ce qu'on a. On rate. Très bien. On peut pas toucher. Hop là. Nickel, c'est moi aussi ce qui fait le taf. Bon, pas mal comme loot. Qu'est-ce qui se passe? Un combat qui se lance, mais il se passe rien. Non, c'est un bug. Oh, on a bugué. Merde. Ah merde. Bon bah, c'est le petit bug, hein, ça arrive. Fuck. On va se save et reprendre, on va voir si ça reprend dans la mission ou pas, je suis pas sûr. Je crois qu'on prend au début à chaque fois. Ouais, c'est ça, on reprend au début. Bon bah, échec. Échec, échec. En plus, on n'a pas picolé et tout, donc c'est parti, on va refaire. Toc. Une petite picole, une autre picole. Toc. Bon bah comme quoi, enfin je rappelle le jeu est en early, hein. Jusqu'ici on n'a pas eu trop de bugs ou de trucs à la con, mais bon bah voilà, ça arrive. Hein. On va mettre la bénédiction, donc il nous en fallait une comme ça, d'ailleurs on va stocker ça, toc. La bénédiction sur Gelden, Magic Power plus 4, c'est parti. Tant qu'on y est d'ailleurs, on va vendre ces trucs là parce que ça me sert vraiment à rien, je m'en sers pas du tout. Est-ce qu'on pourrait pas se prendre une petite gemme? 2% de chance d'esquiver, 2% de chance de bloquer les projectiles, 2% de chance de toucher. 2% de chance de toucher, on va claquer la thune. Après tout, hein, on part s'occuper de la sorcière. Les gemmes, comment ça fonctionne déjà? Si on peut les mettre. Ah non, mince, il faut peut-être un emplacement sur les armes. Voilà, c'est ça, créer un James Slot. 1500. D'accord. Pardon, monsieur. Excusez-moi. D'accord, bon bah du coup ça va pas être tout de suite en fait, tant pis. Au moins on sait maintenant les gemmes. Après l'intérêt d'avoir des gemmes c'est que ça donne plus de chances d'avoir des gemmes et qu'on pourra éventuellement les combiner et tout, donc au moins on commence à capitaliser un peu. On va arrêter du coup l'épisode là, il est un petit peu court mais ça ira avec celui d'avant qui était un petit peu long. Et puis bah du coup dès le prochain on se relance dans la quête de la sorcière. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.